Depuis qu'elle s'est faite connaître au début des années 2000 à cause de la divulgation de sa sextape, Paris Hilton a toujours été vivement critiquée. Réputée comme fêtarde, idiote ou encore pourri gâté, l'ancienne star de la télé-réalité culte The Simple Life subit les préjugés et les quolibets de l'opinion publique. Mais depuis quelque temps, celle qui s'est essayée à la chanson avec les titres Star Are Blind ou encore No See In This World, essaie de laver son nom en prouvant qu'elle est en vérité une femme d'affaires ambitieuse et que tout ce qu'elle a entrepris au cours de sa carrière n'a jamais été laissé au hasard. Pour redorer son blason, l'héritière s'est d'ailleurs livrée sans filtre dans le documentaire This Is Paris, disponible sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, de nombreux gifs ou même à son effigie existent. Souvent drôles, ces captures contribuent aussi parfois à entretenir le cliché de la blonde écervelée qui lui colle à la peau. Cependant, l'ancienne meilleure amie de Nicole Richie a dernièrement tenu à rétablir la vérité quant à une image d'elle retouchée circulant sur la toile. Sur cette photo datant de 2005, Paris Hilton apparaît le sourire aux lèvres et les bras en l'air, en train de porter un débardeur sur lequel il est écrit « Arrêtez d'être pauvre ». Un message évidemment considéré comme indécent, alimentant donc sa réputation sulfureuse. Sauf qu'il n'a jamais été écrit cela sur le vêtement. Sur TikTok, Paris Hilton a expliqué qu'il était en fait imprimé sur son habit « Arrêtez d'être désespéré ». La DJ a d'ailleurs déclaré ensuite « Ne croyez pas tout ce que vous lisez ». La vérité sur la photo retouchée de Paris Hilton grâce au buzz suscité par cette mise au point, la personne responsable de cette modification s'est à son tour exprimée sur Twitter. Il s'agit d'un artiste du nom de Jubilee qui n'est pas revenu de voir Paris Hilton parler de son œuvre après tant de temps. Peu rancunière, la principale intéressée a répondu au tweet de l'auteur en ces termes, « Oh mon Dieu, j'ai toujours cru qu'une agence de paparazzi avait édité cette photo. Trop drôle et iconique. Je trouvais ça amusant quand si est sorti mais je ne voulais pas non plus insulter les gens qui pensaient que je porterais ça. » Contente que tout ait été mis au clair pour les haters.